L'esprit de prophète obéit au prophète. Oh, alléluia! Hey, c'est bien de connaître la parole de Dieu. Hein? Coran, s'il vous plaît. Une chanson qui peut nous ramener vers le trône de Dieu. Parce que je vois chacun de nous, nous avons une distance. D'autres, ils ont une distance d'un million avec le trône de Dieu. D'autres, ils ont une distance de 2 km. D'autres, ils ont une distance d'un mètre. Oh, voilà cela. D'autres, ils ont une distance d'ici jusqu'en Amérique. Dieu est très loin. Que Dieu soit plus proche de nous. Que ce Yahweh soit plus proche de nous. Que ce Jéhovah soit plus proche de nous. Qu'il soit dans notre cœur. Qu'il soit dans notre cœur. Que notre corps soit le temple du Saint-Esprit. Qu'il habite dans notre cœur, mes frères et sœurs. Que cette parole ne s'éloigne pas de vous. Que cette parole ne s'éloigne pas de moi. Et je sais que le monde entier écoutera cette parole. Parce que quand je ne prêche pas seulement pour toi et moi. Je prêche pour beaucoup de gens. Ô Père éternel, je te remercie. Commençons à méditer le nom de notre cœur. Cherchez le rapprochement de Dieu, le trône de Dieu, qu'il puisse venir. Je demande par la miséricorde de Dieu que le trône de Dieu s'approche et que ça rentre dans le cœur du Seigneur. Je demande par la miséricorde du Saint-Esprit que le trône de Dieu s'approche maintenant qu'il rentre dans le cœur des frères. Je demande par la miséricorde de Jésus-Christ, par le travail de la croix, il avait dit que c'est terminé et par ce sacrifice-là, que le trône de Dieu commence à descendre et que ça rentre dans le cœur de chacun. Que ça rentre dans le cœur de chacun. Je demande par la miséricorde de Dieu et par le sacrifice de Jésus-Christ qui a mangé, qui a bu la coupe, que le trône de Dieu puisse descendre, que ça rentre dans la vie de quelqu'un. Que le trône de Dieu descende, que ça rentre dans le cœur de quelqu'un. Restauration. Restauration. Que le trône de Dieu rentre maintenant dans le cœur de quelqu'un. Dieu et toi, que vous soyez un. Jésus-Christ a dit, Dieu et moi, le Père et moi, on est un. Et il a dit, tel que Jésus-Christ est, c'est tel que nous sommes. Je demande au trône de Dieu de rentrer dans le cœur de quelqu'un. Par la miséricorde de Yahweh, Yeshua HaMashiach, je demande au trône de Dieu de rentrer dans le cœur de quelqu'un. Et lorsque vous rentrerez à la maison, vous commencerez à avoir des signes, pas de vision, des signes, pas de rêve. Vous commencerez à voir cela. Et un témoignage va se faire ici, dans Yahweh Shama Ministries. Je vois un mouvement spirituel. Ceux qui ont l'œil spirituel peuvent voir quelque chose qui se passe maintenant dans le cœur d'une sœur, dans le cœur d'un frère. Le trône de Dieu, il rentre dans le cœur de quelqu'un. La piscine de Bethesda. Je vois quelqu'un rentrer dans l'eau et l'eau s'agit. Et je vois quelqu'un servir l'Éternel. Je vois quelqu'un servir l'Éternel. Je vois quelqu'un manifester la puissance du Saint-Esprit dans Yahweh Shama Ministry. Je vois quelqu'un, mais il ne doit pas sortir. Il doit travailler pour l'honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu. Je vois quelqu'un manifester la puissance du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu dans Yahweh Shama Ministry. À partir d'aujourd'hui, il y a une convenance, il y a une alliance. Il y a une alliance déjà, le trône de Dieu rentre dans le cœur de quelqu'un. Je vois le trône de Dieu qui rentre dans le cœur de quelqu'un. Il commencera à voir des signes. Il va témoigner. Je sais cette prière au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Voilà, s'il vous plaît. Commencez à prier maintenant. Acceptez Dieu dans le cœur. Acceptez la puissance de Dieu dans le cœur. Moi, j'accepte la puissance de Dieu dans le cœur. I put you in front. Je te mets devant. Je te prends diamant. Je te mets devant. Moi, je te mets devant Yahweh. Je te mets devant mon mariage. Devant mes affaires. Même s'il y a une situation, je
pas la situation. Regardez Jésus-Christ qui est la réponse. Prière est que cette parole ne s'éloigne pas de votre cœur, au nom de Jésus-Christ. Que cette parole ne s'éloigne pas de votre cœur, que cette parole ne s'éloigne pas, parce que c'est ça notre vie. Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Amen.